Aujourd'hui, nous allons vous parler des récents changements dans la réglementation en Wallonie concernant le rachat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques des particuliers. Jusqu'au 31 décembre 2030, les installations photovoltaïques mises en service avant la fin 2023 bénéficieront du régime de la compensation. Ce régime vous permettait d'injecter dans le réseau votre électricité excédentaire en compensation de l'électricité consommée. C'était comme si vous revendiez votre électricité au même prix que vous l'achetiez. À partir du 1er janvier 2024, ce régime change. Il devient le régime de l'autoconsommation. Le surplus d'électricité non consommé est toujours réinjecté dans le réseau. Votre compteur passe en double flux, c'est-à-dire qu'il fait la distinction entre l'électricité injectée et l'électricité prélevée. Maintenant, votre fournisseur d'énergie la rachète, mais à un tarif nettement inférieur au prix d'achat. Vous revendrez votre électricité 4 fois moins cher que vous ne l'avez achetée. Donc, depuis 2024, l'autoconsommation devient essentielle. Plus vous utilisez votre énergie produite, donc plus vous autoconsommez, plus votre installation devient rentable. Mais comment faire pour autoconsommer plus et optimiser son autoconsommation ? C'est ce que nous verrons plus en détail dans une prochaine vidéo. Je vous présenterai les différentes méthodes d'optimisation de l'autoconsommation. Dove il Sole, fournisseur de technologies solaires. Pour vous faire un avis, demandez-nous un devis.